Les raisons qui m'ont poussé à venir ici à Genève pour participer à cette formation, bien sûr, découvrir de nouveaux des expériences des autres, avoir une idée claire sur le rapport journalisme-droit de l'homme et encore, surtout, parler de mon expérience parce que j'ai vraiment une longue expérience. J'ai travaillé pour plusieurs télévisions au Moyen-Orient et donc donner de mon expérience et d'autre part, bien sûr, faire la connaissance de d'autres collègues, des journalistes, c'est très important pour nous, pour notre monde, le monde du journalisme. Les raisons essentielles qui empêchent le rapport entre, bien sûr, le droit de l'homme et la paix, ce sont bien sûr la vue des gens, les avis, bien sûr, qui diffèrent d'une culture à une autre, d'une population à une autre, des valeurs des uns qui dépendent des valeurs des autres. Et c'est pour cela que parfois, sur terrain, en tant que journaliste, vous vous trouvez en accord avec la population, parfois le contraire, pour différentes raisons, bien sûr, essentiellement la culture, et qui vous laisse vraiment être en risque sur terrain. Vous pouvez être attaqué par balle, vous pouvez être attaqué par un gifle comme ça, oui, parce que ce sont là la différence entre travailler pour la paix, c'est quelque chose de bien, bien sûr, mais voir les droits de l'homme, chacun voit de sa manière.